nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette place afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux âmes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle d'être un jour au nombre des élus, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge, et c'est vers toi que dans la détresse nous nous tournons. Nous te prions avec foi, regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, et à tous le courage de progresser dans la charité. Ainsi pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint nom, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara : Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplit. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous. Il avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore, qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de la résurrection. On en présente à deux. Joseph, appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur.
Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Alléluia, 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 alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du monde afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père. Et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voilà ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous célébrons aujourd'hui la fête de saint Matthias, le 12e apôtre, comme le livre des Actes des apôtres nous l'a rappelé. Il est celui qui va remplacer Judas, qui pourtant avait été choisi par le Seigneur et qui, dans le mystère de sa liberté, s'est soustrait à ce double commandement de l'amour que Jésus a répété à ses disciples au moment de partir vers son Père, c'est-à-dire de connaître sa passion. Matthias a été tiré au sort, comme on tirait au sort parfois dans l'Ancien Testament, avec les Ourim et les Pourim, il a été tiré au sort, et c'est l'expression de la volonté divine à travers ce qu'il y a de moins personnel, ou disons de moins subjectif dans le choix humain. On s'en remet totalement au sort pour que Dieu manifeste sa volonté, ou du moins on lit dans les sorts la volonté de Dieu à qui on s'est confié. Pourquoi compléter le collège apostolique? Parce que le chiffre 12 a de l'importance. Il est le signe des 12 tribus qui forment la communauté d'Israël. Et les 12 apôtres sont les racines de cette nouvelle Israël, de cette nouvelle communauté qu'est l'Église, et qui va ensuite se répandre dans l'unité de celui qui en a reçu la charge, celui qui a reçu la charge des clés, qui est Pierre. Alors de Matthias, nous savons assez peu de choses, sinon son élection parmi les 12. Pour le reste, eh bien, il a dû probablement faire comme les autres apôtres, c'est-à-dire annoncer la résurrection du Seigneur
Et puisque je porte une chasuble rouge, des ornements rouges, on peut imaginer qu'il a lui aussi connu le martyr, comme la plupart, la quasi-totalité des apôtres. Alors, peut-être demandons au Seigneur, dans notre prière de ce matin, et d'être prêt à assumer ce que le Seigneur nous demande à travers des choses aussi étranges, par exemple qu'un sort, des choses aussi étranges que le choix d'un groupe pour lorsque nous sommes appelés à assurer telle ou telle fonction, tel ou tel ministère, même dans l'Église, que nous puissions de grand cœur dire. Alors une dernière petite chose encore, c'est les critères de l'apôtre. Vous avez entendu dans les actes, dans le livre des Actes des Apôtres, qu'il faut avoir été témoin oculaire de tout ce que Jésus a fait jusqu'à sa passion comprise, probablement même de sa résurrection, car il est à penser que Matthias devait faire partie de ce groupe des disciples qui avaient déjà assisté à des apparitions du Seigneur pendant les 40 jours qui mènent jusqu'à l'ascension. Eh bien, oui, cela nous enseigne aussi, nous, les témoins par la foi, à travers la confiance que nous mettons dans ce corps apostolique qui nous a transmis cette vérité fondatrice de notre foi. La résurrection du Seigneur, gage de la nôtre. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu, salut. Reçois l'offrande que ton Église te présente, Seigneur, pour la fête de Saint Matthias, et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur par le Christ notre Seigneur. Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en ce temps de danger, qu'ils deviennent pour nous, par ta puissance, source de guérison et de paix, par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et
avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, des paroissiens de Sarov, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement, et en particulièrement aux intentions d'aller à des belles. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, et Saints Apôtres et Martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lac, Lé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes ennemis. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. »
nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint devenu, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de leur foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le bon. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est de notre gardien, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus nous aime.
Le Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de Saint Matthias d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu, nous avons reçu de ta main le remède de la vie éternelle. Accorde-nous par ce sacrement de trouver au ciel, dans ta gloire, la plénitude de la guérison, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch de toute terre corrompue, des ardeurs, de la fièvre, de la peste et de l'épidémie de toute maladie contagieuse et d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en prions par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, qui préservait de toute peste et de toute maladie contagieuse, priez pour nous. Geneviève, patronne et protectrice de Paris. Regina Celi, letare, alleluia, quia portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix, louons à lui dans les hauteurs. Louons à lui puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louons
Alléluia, 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 Alléluia.